Alors, je pense que l'événement n'est pas important que pour les étudiants, mais il est important pour l'Algérie. Il est important pour des jeunes, il est important pour des moins jeunes, parce que la qualité des speeches est vraiment exceptionnelle. Donc, c'est très, très important, parce que déjà, on se rencontre, on discute, on partage des idées, parce qu'on voit des présentations et des speeches. Et je pense que Seeding Thoughts, c'est un très, très bon thème. Donc, en fait, ce genre d'événement, il ne faudrait pas qu'il y en ait un par an, mais il y en a un chaque semaine. Comme on est dans une école de commerce, je vais parler du revers de la médaille de la musique. Je vais parler un petit peu du fonctionnement de la musique dans le cadre de son business. Ou comment est-ce qu'on peut travailler dans le domaine, professionnellement dans le domaine de la musique, pas en tant que musicien, mais en tant qu'intermédiaire entre le musicien et son public. Et c'est un secteur qui est complètement vierge en Algérie. Nous, récemment, avec le groupe, avec Jamaoui Africa, on a monté justement une boîte de production qui adresse ce marché-là. Et c'est de ça que je vais parler un petit peu. Je vais essayer de planter cette idée pour des étudiants de commerce de s'intéresser aussi à ce domaine culturel. Ben, merci TEDx HEC. Moi, je suis très content parce que moi, je suis sorti de cette école-là. Donc, je vois un petit peu... Je suis sorti, ça fait 15 ans. Donc, de cette école, je vois qu'il y a une vraie nouvelle génération, qu'il y a une vraie relève. Qui agit selon des méthodes très très modernes, qui est à la page. Et puis bravo, un prochain TEDx, c'est quand vous voulez. When I spent the summer on you.